Mais à Montréal, il doit y avoir des fantômes dans toutes les apparts. Non, non, c'est ça, ça. Non, ça marche pas de même. Pourquoi? Parce que ça existe pas! Ah. Non, mais, non là... mais si ça existe, c'est quand même toutes des apparts centenaires, là, tu sais, c'est comme... Si ça existe, c'est vrai que t'as peut-être plus de chance qu'en même, même temps. En même temps, je te dirais, au Québec, les fantômes sont tous dans des CHSLD, y a personne mort à maison. Non, mais, c'est vrai que s'il y a une place où il y a des fantômes, c'est bien là. Tu sais, moi, je ris tout le monde qui ont peur des fantômes, mais tu sais, quand je restais à Riverbend, c'est un vieux quartier anciennement d'employés de l'usine, puis là, c'est comme devenu un endroit huppé à Alma. Là. C'est des vieilles maisons, maisons qui ont une architecture différente. Avec les vieilles usines, c'est toujours un lieu huppé après. Ouais. C'est la même chose à Montréal. Là. Comme ça, c'est des vieilles shops. Tu vois, les planchers sont tous usés, fait que c'est 25 000 piastres par mois. C'est ouais, bon, ben, cool. Hey, ici, il y a du monde qui sont morts là, en faisant des t-shirts. Ouais, 25 000 par mois. Mais là, là, c'est fucké parce que quand on restait là, ben, notre bébé, il avait, on venait d'avoir notre bébé, il y avait quelques mois. Puis, on restait dans un bloc appartement. C'était un ancien manoir qui avait été reconverti en maison à logement. Fait que c'était super rustique et tout le kit. Puis c'était puis là ben notre appart tout ce qu'on restait ben là il y avait mon petit bébé, il était rendu à peut-être 9-10 mois, il commençait tu sais à voir des, à parler puis à dire des débuts de mots. Puis à chaque soir à tout bout de champ, il partait à rire, puis là il riait. Puis il pointait un spot par rapport dans c'est la pièce. C'est quand même un peu rochant. Aïe, aïe. Le monsieur avec un chapeau. Monsieur chapeau. Puis il riait. Aïe, 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 aïe. C'est justement pour ça que je veux pas d'enfant. Non, non, c'est ça. You scared the shit out of me right there. Tu sais, j'étais je dois mal comprendre. Il peut-être passe par la fenêtre. Tu sais, il y a plein d'explications. Fait moi, j'étais ben zen avec ça. Puis j'étais, ouais, monsieur chapeau, ouais, ouais, tu sais. Puis là, ça reste dans le même. Puis, m'en est un peu avant qu'on. Une semaine ou deux avant qu'on déménage, on va visiter une expo à la boîte. Pas à boîte à bleuets, oh, mais. En tout cas, là. À la Odyssée. Oh, can you possess me? Can you possess me? On est à l'Odyssée des bâtisseurs. Puis, il y a comme une exposition sur l'histoire d'Alma. Des photos. Puis là, on arrive des vieilles photos d'époque. Des vieilles photos d'époque de la place du manoir. Et là, comme dans un film, mon Charlot, il est dans mes bras. Il pointe une photo, puis il dit. C'est Monsieur Chapeau! Oh non! Monsieur Chapeau! Hey, pour vrai, oh c'est non! Vraiment rochant! Fait que là, man, oh le non. Sam, fucking fige, là, tu sais, je fais, voyons, on fantôme confirm! Et là, je check sur la photo, il y a une légende. La photo a été prise pendant une réception dans la salle de bal du manoir Murdoch. Ça, c'est weird. Et là, je regarde l'autre photo à côté qui présente l'ancien manoir, puis mon appart. Il est dans la salle de bal. Oh non! Fait que là, t'as tué l'enfant, là! Ouais, t'as pas eu le choix! Non, bravo, t'as pas eu le choix, là! Mais non, regarde. C'est le contact avec l'autre monde! Mais justement, faut le garder! C'est lui qui va nous sauver des démons, Philippe! Hey, le monde était paix en vie, imagine mort! Ah ouais, là, la soirée, là! Mais sérieux, je suis sorti de l'expo, j'étais livide. Ouais, là, c'est un peu comme, c'est, non, mais ça, c'est effectivement weird. Ah oh, ouais, tu sais, j'étais comme, ok, tu sais, c'est. T'sais, quelqu'un, je vois ça dans un film, puis je pars à rire, j'appelle le scénariste, je dis fuck you! Mais des vieilles photos sépia, weird, un peu flou, avec un regard que genre, fallait que je regarde la caméra pendant 20 minutes avant que ça prenne une pause, c'est vraiment spooky, là. Et surtout le lien, c'est ça, avec ton fils, qui, le monsieur chapeau, puis qui le reconnaît. Ça, c'est weird. Mais en même temps, c'est-tu quoi, les enfants? C'est des petits cris de menteurs. Oh, ouais. C'est ça, mais. Non, mais.